Putain, ils vont pas nous mettre un T-Rex quand même. J'ai plus de gros mots là. Ça sent la chair fraîche. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non mais sérieux. Balle. Ton frère est mort. Jeez.
sont armés, j'avais pas dit qu'il y en a qui sont armés. Ah putain, ça fait mal. Tu m'étonnes avec un trou dans le vide comme ça. Ah. Moi aussi je peux te sentir, espèce d'enfoiré. Moi aussi je peux te sentir, moi aussi je peux te sentir. Je t'avais bien dit que tu sentais le cadavre à des kilomètres. Écoute ma grande, toi t'es un cadavre, moi aussi je suis un cadavre. Et le truc que je viens de finir c'était aussi un cadavre. Alors je sais pas ce que c'est que blague moisie, mais t'arriveras pas à me gâcher ma soirée. Ça c'est sûr. T'as de la répartie. Lâche-moi, saloperie. Ok. Va me lâcher, putain. Je t'avais dit de me lâcher. Tu vas crever à l'ancienne, pourriture. Approche, viens me voir. C'est ça, tourne-toi. Ouvre grand les yeux.
Alors, Baltringue, on sent tout mieux sans ses cure-dents. Merde. Surprise. Alors, c'est qui la Baltringue maintenant? Maintenant, ils ont des flingues. Ouais, ils jouent à ça. Et maintenant, tu vas goûter les balles au phosphore. Qu'est-ce que vous avez toutes avec ce type? Non mais c'est ses yeux, enfin c'est... Ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. Ezekiel pour Mephisto. Ezekiel pour Mephisto. Et merde. Quel con qu'il a déclouté. Wes, t'es occupé là? Si peu, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé le mal. Excuse-moi, résultat des courses? Il aura plus mal aux dents. Bien. Contacte les autres. Rendez-vous dans la clairière. Une dernière chose. Gardez-moi la tête. T'inquiète pas. C'est le premier tiers qui fait le plus mal. Merci Batman. Tu vas avoir un lever de soleil pour la première fois de ta vie. Ah, oh, saloperie ! Je vais vous donner une raison d'être mort ! Chérie, tu es rentré. Putain, c'est quoi, c'est Ali L5? Oh. C'est toi, mon amour. Alors, chérie,
C'est mes yeux qui t'ont manqué ou... Laisse-la moi, je m'en occupe. Tu veux pas lui payer un resto tant qu'on y est? Non mais c'est pas possible. Retrouvez-la, faites gaffe à votre cul. Retrouvez-la, elle est forcément dans le coin, elle peut pas être loin. Pourquoi? Pour ça. Un jour, ils se sont promis que même la mort ne pourrait les séparer. Allez, viens. Non, le con. Merci d'avoir essayé. Attention les yeux. Trop facile. Bal. Ouais. Est-ce que t'as peur de mourir? Non. Moi j'ai plutôt peur de vivre. La mort on connaît, c'est pas mal. Toi? T'as peur de crever? Ouais. J'espère au moins que quelqu'un vienne sur nous. Personne vient sur nous. Personne. Alors les enfants, on croit plus au Père Noël ? Vous savez bien qu'il en restait un. On peut sentir ta peur à des kilomètres, chérie. Alors il reste plus que nous deux. Apparemment, ouais. Tous les deux tout seuls, comme au bon vieux temps.
Je lis en toi comme dans un livre. Alors tu n'oses pas me demander si je vais bien? T'inquiète pas, c'est l'éclate. Je mords la mort à pleines dents. Tu m'as manqué. T'inquiète pas, cette fois-ci je te raterai pas. C'est vrai. C'est ici que l'histoire se termine. Les morts et les vivants veulent savoir lequel des deux le sera définitivement. Tu vois l'avantage quand on est mort, c'est qu'on n'a pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Alors c'est que tu es déjà mort. Bonne chance. J'ai un feu qui me brûle de l'intérieur. Je sais pas si c'est la colère ou la passion, mais dans les deux cas, j'ai envie de te sauter dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On baisse tout de suite ou je te tue d'abord? Tais-toi! Trois ans de chasse aux vampires. Je suis devenu pire qu'eux. Ils chassent pour se nourrir.
Je prends plaisir dans leur souffrance. La chasse est un plaisir absolu. Ces choses impures se croient bourreaux. J'adore les voir se consumer en hurlant. Je suis 20 fois pire qu'elle. Un de ces quatre, un chasseur me tuera en prenant pour l'un d'eux. Et il aura rudement bien fait. Je ne veux pas devenir adulte. Je ne veux pas devenir aveugle. Quel bordel, c'est de pire en pire. Les hommes théorisent les vampires veulent mourir et ne croient pas aux vampires. Et en plus, aucun de n'est adulte. Moi au moins j'ai une excuse, c'est mon boulot, c'est même mon devoir. Des gars en manteau long qui observent sans prendre parti, ça peut paraître ridicule, mais on est au-dessus de tout ça. On est bien moins ridicule que certains vampires. Incroyable que personne ne veuille les voir. Il faut dire qu'aujourd'hui, si un adulte s'est fait croquer, ce sera la faute d'un sale killer, d'un détraqué sexuel ou d'un extraterrestre. Mais les vampires, ils ne les reconnaissent même pas quand ils en ont les dents dans le cou. Ils imaginent tout en griffes et en crocs avec des super pouvoirs genre boule de feu, domination de l'esprit. Et je me transforme en chauve-souris et je saute au plafond et puis quoi encore? Pourquoi pas un vampire en collant bleu et en slip rouge? Et avec cette mode du gothisme et les implants de fausses dents et tout ça. Y'a plus que les mémés pour avoir peur d'un type un peu blafard avec des crocs. Et encore, ça compte pas. C'est pour leur sac qu'elles ont peur. Alors les ados vampires s'amusent à transformer d'autres ados en vampires. Et les ados humains s'amusent à flinguer du vampire entre deux épisodes de leur série préférée. Les suceurs de sang sont craints par certains, adulés par beaucoup, au point de vouloir en devenir un. Chassés comme des animaux par des jeunes encore pires qu'eux, qui s'imaginent qu'il leur reste trois continues s'ils perdent une vie. Et moi, je sers à quoi là-dedans? Je suis censé les surveiller pour pas qu'ils dominent l'humanité ou quelque chose comme ça, non? C'est ce qu'on m'a appris, c'est ce pourquoi je suis là. Depuis si longtemps, j'ai arrêté d'attendre les rides. Je suis un collecteur, le côté neutre de la guerre, la balance, un de ceux qui observent et qui égalisent, pour éviter que l'équilibre se brise. Et là, j'observe quoi? Une bande de gamins qui jouent aux cow-boys et aux indiens avec de vrais flingues. Bref, c'est le bordel. Les humains jouent aux vampires, ou avec les vampires, c'est ça. Et les vampires se croient humains. Les loups-garous sont décimés par la fièvre rafteuse,
et les mages travaillent pour les films à effets spéciaux. Et moi, comme un gland, je continue à les espionner au cas où. Quant aux humains adultes, ils sont tellement cons qu'ils se rendent compte de rien. Voilà mon monde. Un monde en guerre, même si personne ne s'en rend compte. Un monde au bord du précipice, et je continue à collecter, même si je ne sais pas la suite. Je ne sais pas qui finira par gagner la bataille finale. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je ne sais pas ce qu'il adviendra du monde si eux l'emportent. Je n'ai qu'une certitude. Ils existent. Suck your blood and leave you there. All
friend.